Enora Malagré, remplacée par Cyril Hanouna sur Europe 1, elle prend la parole. Je suis un peu sous le choc. Triste nouvelle pour les fans d'Enora Malagré sur Europe 1. La jeune femme va être remplacée par Cyril Hanouna. Depuis son départ de Touche pas à mon poste, TPMP, il y a 7 ans, Enora Malagré a connu une évolution impressionnante. L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna s'est tournée vers le théâtre, jouant dans des pièces telles que Les Enfumés et La Dame de chez Maxime. En parallèle, Enora Malagré a mené une campagne médiatique importante pour sensibiliser le public à l'endométriose, une maladie gynécologique dont elle souffre. Enora Malagré. Elle refuse de retourner dans TPMP. Invitée dans l'émission Culture Média sur Europe 1, Enora Malagré a parlé de son nouveau rôle au sein du magazine de la santé sur France 5. Interrogée alors par Thomas Hill sur un éventuel retour dans TPMP, elle a répondu avec humour et fermeté. Cette question m'agace. Je suis partie il y a 7 ans. Ainsi, elle a expliqué qu'elle n'avait aucune intention de revenir dans l'émission de Cyril Hanouna. À part les médias, plus personne ne m'en parle. Les gens me parlent de théâtre, de l'endométriose, etc. Je crois que vraiment, ça y est, c'est derrière moi. Je n'y retournerai pas, parce que déjà, place aux jeunes. Ils ont une bande qui cartonne, donc il n'y a pas de raison que j'y revienne. Ça va, je pense qu'on m'a bien vu, on m'a bien entendu. Je pense que les gens en plus ne seraient pas très contents de me retrouver, a ainsi confié l'ancienne chroniqueuse de TPMP. Un remplacement choquant pour Enora Malagré. En parallèle, Europe 1 a récemment annoncé un changement majeur. Sophie Davant sera remplacée par Cyril Hanouna pour commenter l'actualité politique et les élections législatives. Ce changement, qui prendra effet immédiatement, a été une surprise pour Enora Malagré. Elle a exprimé sa tristesse sur Instagram. « Je viens d'apprendre il y a 1 heure que Cyril Hanouna nous remplace dès lundi à l'antenne des Europe 1 qui souhaite encore plus d'infos. Nous ne pourrons donc pas dire au revoir à nos auditeurs, qui nous ont suivis dans cette merveilleuse et chaleureuse aventure radio cette année. Et croyez bien que nous en sommes désolés. Point. » Cyril Hanouna sur Europe 1. La décision de choisir Cyril Hanouna pour commenter les élections législatives a suscité de nombreuses réactions. TPMP est devenu plus politique ces derniers temps, avec des discussions animées sur les élections législatives. Cyril Hanouna a notamment déclaré qu'il quitterait la France si la France insoumise arrivait au pouvoir. Le présentateur de TPM a également exprimé son soutien à une mesure du Rassemblement national concernant la suppression de la double nationalité. Cette mesure, pourtant abandonnée il y a 2 ans par Marine Le Pen, a été une source de débat sur le plateau de TPMP. Ainsi, cela avait conduit à des excuses publiques de Sébastien Chenu, porte-parole du RN, après un échange houleux avec un chroniqueur de l'émission. Concernant l'émission d'Enora Malagré, il faudra s'armer de patience pour la retrouver sur Europe 1.